Samuel Etofis, the former Super Eagles of Nigeria, led by JJ Okocha on his wings. These two were part of this grand finale, the final of the 2000 Africa Cup of Nations. This happens to be one of the items retained as part of activities to commemorate the second edition of the Banana Plantain International Festival, and the choice of Limbe happens to be one of the best, given how hospitable, given how loving, given how peace-loving the population of this part of the country they are. And that's why most of them have turned out massively to come and watch this match live at the Limbe Municipal Stadium. It's a Thursday evening, Shali. We understand it's a busy day for most workers here in this part of the country, but they say, hey, we must be part of this show, we must be part of history. Le décor a changé, le temps a passé, mais les souvenirs sont aussi présents dans les cœurs. Et aujourd'hui, ils émettent, ils remettent ça, les principaux acteurs de la CAN 2000. Souvenez-vous, c'était un 13 février au soir, au sourd les restés Guillaume. Ils n'étaient pas là, sinon devant leur petit écran, le gouverneur de la région du nord du sud-ouest, le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayerobé, qui représente ici officiellement le premier ministre, chef du gouvernement. L'événement, le représentant officiel du chef de l'État par un de cet événement, on fait dire pour l'instant, parce que l'événement est au-delà du sport. C'est un événement qui célèbre l'amitié entre le Nigeria et le Cameroun. C'est un événement qui célèbre le pont économique entre ces deux grandes nations du continent africain. Il célèbre aussi l'agriculture, tout simplement. Et voilà donc les équipes qui sont déjà alignées sur la pelouse avec le corps arbitral constitué de Augustine Ebot, l'arbitre principal, assisté de Lambi Joseph, Ernest Ekokome, assistant numéro 2. Le quatrième arbitre, c'est Walinga. Le commissaire du match, c'est l'inspecteur Léon Goyo. Voilà donc les officiels de cette rencontre. Et côté à côte, de part et d'autre, vous avez Samuel Etofis, capitaine de la sélection camerounaise. À côté, il y a évidemment JJ Okocha et son traditionnel, son mythique dossard numéro 10, capitaine des Super Eagles de cette rencontre. C'est un match qui ressemble pas à un autre. C'est un match pour réveiller l'histoire, pour faire perpétuer une tradition d'amitié entre deux grands peuples du continent africain, le Cameroun et le Nigeria. Et Balbi le disait tout à l'heure, c'est un jour ouvrable dans la région du sud-ouest, un peu comme dans le reste du pays, mais le public a tenu à être présent pour célébrer ce moment qu'il attendait, ce moment de passion dont il avait soif depuis plusieurs années maintenant. La crise a certainement inhibé quelques initiatives. Aujourd'hui, on est là. Cette région qui a une grande passion pour le sport et le foot en particulier répond présent par l'organisation de ces grands événements. Balbine, c'est un moment particulier. And I should say, Limbe has known just best how to stand out tall during great moments as far as football is concerned. Here comes Minister Gabriel Mbayrobe of Agriculture and World Development, who is personally representing the head of state during this second edition of the Banana Plantain International Festival, and especially during this international gala match here at the Limbe Municipal Stadium. Limbe hosted the Women's Africa Cup of Nations in 2016. Limbe hosted some matches of the 2020 African Nations Championship, the Shan. Limbe hosted some matches of the 2021 Africa Cup of Nations. Limbe has known its heydays as far as great organizations are concerned. Here comes another opportunity for this beautiful town, the seaside resort town of Limbe, and the peace-loving population of this part of the country to extend a hand of friendship to their different guests, especially those coming from Nigeria. As Minister Gabriel Mbayrobe shakes hands with JJ Okocha, captain of the former Super Eagles of Nigeria this evening, who is going to introduce, I should say, tonight his teammates, but one time former teammates. Évidemment, ce sont ses coéquipiers du soir.
DJ qui est habitué depuis plusieurs années maintenant à ce type de match, de gala. DJ qui a raccroché les crampons il y a bien longtemps, depuis 2006. Il a mis fin à sa carrière internationale et aujourd'hui, avec ce papy de 60 ans, il n'en fait pas l'air. Hein. Le gardien Peter Faye, 60 ans sonné en 2023. Il est là avec nous pour célébrer ce moment particulier. Ils sont là, Gary Bowes et tous les autres, sous le regard admiratif de ce public qui est là depuis bien des heures maintenant. Depuis la mi-journée, le public de Limbé a commencé à remplir les gradins de ce joli stade. Et voilà, une belle accolade. C'est un moment particulier, certainement, entre Daniel Amokachi et... Le ministre Gabriel Bayrobé. Memorable moments indeed. What football can do, bringing communities together. This match happens to be an opportunity to consolidate. Here comes Minister Gabriel Bayrobé with Samuel Etofis. Consolidate fruitful, sweet bilateral relations between Cameroon and the Federal Republic of Nigeria. Lucien Metomo, one-time central defender for Manchester City, Saint-Étienne in France, and the Indomitable Lions, was part of the winning squad of the 2020 Africa Cup of Nations. Augustin Simo et non Eyong Taka. Ils sont devenus aujourd'hui soir des artisans de la paix, comme Eno Tartan est devenu grand écrivain. Il prêche la parole biblique. Il y a Nicolas Nnoudji. Voilà, entre autres. Serge Banco, Raymond Kalankongo. Des grands noms. Ils nous rappellent les Jeux Olympiques de Sydney, ils nous rappellent la CAN 2000, la CAN 2002. Et regardez là, ils sont nombreux, ces superstars, ces légendes africaines qu'on découvrira tous ensemble au cours de cette soirée. Il y en a qui sont un peu plus jeunes que d'autres, il y en a qui sont souvent plus présents, plus médiatisés que d'autres. Mais rassurez-vous, ils ont en commun ce maillot cher à notre pays qu'ils ont porté pendant plusieurs années de leur vie. And given that most of them, after their respective international careers, were converted, most of them have become football coaches. Others have become have been into football administration, like Samuel Etofis, and others have been into business. And likewise, but they have not forgotten about football. Like Ndip Tambe was part of the 2017 AFCON winning team for Team Cameroon. Le plus jeune de tous, hein. Ndip Tambe, de Sar, 25, que vous voyez sur votre petit écran. He's at home, hein? He's a Limbe boy. Évidemment, il a grandi ici, il a joué ici. Et parlons de Limbe, avec ses clubs qui poussent cette année en saison du championnat. Issocha de Limbe. Issocha, that's playing quite high in as far as Edits 2 football is concerned. Avec Victoria United aussi, ces clubs qui reviennent. C'est un grand soir, un beau soir festif avant tout, au nom de la banane. Voyez-vous ces joueurs qu'on a vus en Europe qui ont été souvent singés au nom de la banane. Pourtant, c'est une économie, c'est une banane africaine et camerounaise très prisée au-delà de nos frontières. C'est un moment particulier. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça, l'agriculture et le sport qui font chambre commune pour célébrer l'amitié camerouno-nigériane. And these are very, very rare opportunities. These are very, very rare moments when economy blends with the sports, especially football, bringing two countries together to celebrate. And in a couple of seconds, we're going to have the anthems of Cameroon and that of the Federal Republic of Nigeria. We wait.
ce soir ici à Limbé, c'est le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres, de nos aïeux, et c'est la fraternité entre deux peuples du même continent, le Nigeria et le Cameroun, qui se célèbre. Absent from this AFCON 2000 AF winning team for Cameroon this evening, we have players like Lorraine Etienne-Mayer, Patrick Mboma, Pierre Womelen, Salomon Olembe. Bill Chatterwich presents Ben. He's not on the turf this evening. Late Mark Vivian Fouemeso, rest in peace. A team, most of them, they know each other so well. Especially the match is to rekindle memories of a bitter experience it was for the Super Eagles of Nigeria then to accept defeat. But their backyard at the Suwilewe Stadium in Nigeria, it was a beautiful moment for Cameroonians to have celebrated another AFCON win against Nigeria, which was a third, especially after those of 1984 and 1988, confirming a third AFCON win at the final against Nigeria in 2000 at the Suwilewe Stadium. Were just wonderful moments. Wonderful moment, Balvin. Alors que là, le corps arbitre se met en place aussi. On a choisi quelques vétérans pour cette soirée. C'est une soirée souvenir et on n'ira jamais cesser le contexte, évidemment. C'est la célébration de la relation économique entre le Cameroun et le Nigeria, marquée par le festival de la Madame Plantain dans la troisième édition, dont on est rendu à la troisième édition cette année à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Et la communion qui se fait donc à travers le sport, qui est un levier économique, qui est aussi un levier culturel, le sport qui est un levier d'amitié, et ça se célèbre à la fois dans les gradins et sur la pelouse. On aura davantage un festival plutôt qu'un match officiel de football. Et on a le mérite, le comité d'organisation a le mérite de rassembler ces légendes du foot africain qui depuis les années 70 ont marqué l'histoire du continent à travers différentes éditions de la Coupe d'Afrique, à travers différentes éditions Jeux Olympiques, de Jeux Africains, de Coupe du Monde. Ce sont là des champions olympiques qu'on retrouve à l'occasion de cette soirée, de ce match de gala. Ce sont des champions du monde, diverses catégories confondues. Ce sont des champions d'Afrique. C'est un moment unique, un moment de joie, un moment de rêvénésie, un moment de nostalgie surtout, avec JJ Lokocha bien présent à Limbé. And we cannot undermine the key role played by the Southwest Regional Assembly, and likewise at the Southwest Footballers Association. As far as the organization for this international gala match is concerned, they played a very, very important role, the Southwest Regional Assembly, and likewise at the Southwest Footballers Association, to permit the Football Loving Public of Limbé to serve and to enjoy this international gala match, working closely with Banana Plantain Association. Yes, Rene Katche, we have a Rene Katche standing by. Especially we're talking about the key role played by the Southwest Footballers Association, helping to also to have this international gala match. And one of those concerns is veteran journalist Njomo Kevin, who is standing by with Rene Katche. Over to you, Rene. Thank you very much, Baldwin. Thank you very much, and welcome to the touchline here of the Limbé Omni Sports Stadium. You rightly put it, he's been implicated in this for the past 1 year, making sure that the organization, as far as communication is concerned, goes on perfectly. And let's not forget that he is a former journalist with the Cameroon Radio Television, the CRTV. He covered the 1984 Africa Cup of Nations, the 1986 AFCON, as well as the 1994 FIFA World Cup out there in the United States of America. A very good evening to you, veteran journalist Njomo Kevin, and thanks for being on CRTV Sports. I am very grateful to be on CRTV microphone. I feel like being at home. I mean, you've virtually had no sleep. You've had sleepless nights preparing this particular event. Can you situate the context of this event? This match is a product of arrangements that have been going on between an NGO, a government NGO, that is the Banana Plantain Association, and the Southwest Association of Former Players. The Plantain and Banana Organization has been going on with festivals and any moment, we're going to be coming back to you, veteran journalist, because we're going to be having the kickoff any moment from now by Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, whom, of course, you can see on your screen. So we're just going to hand over the microphone back to you, Baldwin, because any moment from now, we're going to be having the kickoff while we get back to prepare more of the communication aspect of this competition with the veteran journalist, Njomo Kevin. Over to you, Baldwin. Thank you so much, Rene Katche. Minister Gabriel Mbairobe, representing the head of state
here in Limbe at the Limbe Omnes Sports Stadium get set for the kickoff of this international gala match, Charlie. Le ministre Gabriel Barbé, qui est un ancien sportif. Enfin, il faut peut-être mentionner la pichenette. One time president of Coton Sport of Gagua. Et justement, il a encadré des jeunes garçons comme aujourd'hui le joueur de Napoli, le joueur camerounais. Franck Zambo Anguissa, il a été président de Franck Zambo Anguissa avant son départ. Il est passé aussi, il a vu passer aussi des joueurs comme Vincent Boubacar ou Jacques Zouad Daougari. Donc c'est un dirigeant sportif dans l'âme qui vous avez ce soir. Et par la force du hasard aujourd'hui, il est à la tête de l'agriculture et du développement rural au Cameroun. Lui qui sert de pont entre ces jeunes joueurs qu'il a vu passer en son temps en tant que manager sportif. Indeed, it reminds him of his heydays. As a sports person, a football lover, Minister Gabriel Barbé, as we have close to 10,000 football lovers here at the Limbe Omnes Sports Stadium, given that it's a 20,000 capacity stadium. They want to be present as far as the remake of history is concerned, as referee Edward Augustine gets set to blast his whistle for the kickoff. The start of this encounter. C'est donc parti pour ce jamboree sportif entre le Nigeria et le Cameroun. 23 ans après, on refait ça avec les mêmes acteurs. Pour la plupart, ils sont mobilisés dans cette soirée de célébration au nom de la banane plantain, au nom de la collaboration, la coopération économique entre le Cameroun et le Nigeria. Bernard Tutan avec évidemment Enon Eyon qui sont les premiers à toucher le ballon après la récupération camerounaise. Il lancera ainsi dans un rythme plutôt tranquille, mais surtout on retrouvera des bonnes qualités techniques et athlétiques qui sont restées. It is in true, indeed a match void of sticks. It's just a gala match, and that's why the match will be void of lots of intensity as concerns other great matches. Here comes the Samuel to the first touch of the ball as the public got wild there after one-time captain of the Indomitable Lions of Cameroon and four times African best player. Taribo West est devenu fatigué, évidemment. Souvenez-vous, la légende nigériane. Il était aussi puissant que ça veut que Rico Garcia en son temps. La première phase de Camerounaise et la sortie de Victor Ofai. Qui a gardé ses qualités, je vous ai tantôt, Peter Ofai, 60 years old. 60 ans sonné avec Payens Jeffy et puis Bernard Tutan qui était allé suivre là. He still has those reflexes of the oldies, especially when he helped Nigeria win the 1994 Africa Cup of Nations. Peter Ofai as the Super Eagles led by Julius Agarwade. La première touche de JJ Okocha, un peu comme Samuel tout à l'heure. On ressent ces légendes avec la première touche de balle. Il y a comme Samuel Etoufis. Samuel Etou, what does he do? He tries to beat him. There was a body check there. Il a touché Samuel Etou. There was a body check there by Uche Okechukwu. A warm embrace. Look at Samuel. Qu'est-ce que c'est plutôt anecdotique, c'est beau à voir. Indeed, as Rigobertson watches closely alongside Karlen Ongachu. Et Michel Kam, lui qui était de la Coupe du Monde 1982 et un peu plus tard en 90 sur le banc de touche des Lions de l'Octable. Peter Ofai, two World Cups to his credits, 1994-1998 with the Super Eagles from Nigeria, places his world there. Évidemment, vainqueur de la CAN 94 aussi. Avec les Super Eagles, Peter Ofai. A while ago, we're talking about central defender for the former Super Eagles, Taribo West. Part of this encounter this afternoon, who may have lost some of those reflexes. Oui, Taribo West, qui est devenu pasteur évangéliste. Indeed, there comes a swift set piece there, and Peter Ofai threw off himself. Oui, qui garde des qualités athlétiques remarquables. La grande parade de Peter Ofai sur ce centre, c'était simplement merveilleux. Regardez, c'était un ballon plutôt bien placé. Et il a su trouver la détente pour aller à l'angle de son but. Il est sorti ce ballon en corner pour les Lions indomptables. Well, stay to the advantage of the former Indomitable Lions. He comes across trying to find Moncala. Moncala, who hasn't lost all those attacking skills, because remember
He helped score a goal against Togo during the AFCON Cup of Nations in 2002. L'ancien défenseur central des Lions indomptables, plusieurs buts à son actif au long de sa belle carrière. Aujourd'hui, manager du team manager des Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, les Super Gulls avec Emmanuel Amunike. Ballon de touche pour les Lions indomptables. À chaque touche de balle, c'est une clameur qu'on entend dans les gradins du stade Omnisport de Limbé. Et là, c'était Raymond Kala pour sa première touche de balle en tant que défenseur central, son poste de prédilection. Timothée Atuba finds Eno et Young Taka of a younger generation as compared to that of 2000. Raymond Kala, qu'est-ce qu'il a fait? It reminds both players, they remember each other, especially during the final of the 2000 AFCON Cup of Nations. Ils étaient tous titulaires. Indeed. Dans le 11 entrant, il y avait la couverture de balle et puis la talonnade derrière. C'est très intelligemment joué de Raymond Kala. DJ. It was quickly taken there, but the referee says it has to be taken all over again. And it is JJ Okocha. Dans ses beaux jours, il marquait à cette distance-là. Les années d'Everton, des années de Paris Saint-Germain, les clubs qu'il a connus. Don't forget the goal he scored against Cameroon, the equalizer at the final at the Sewell Lewis Stadium. Only sending goalkeeper Alioune Bouka to the back of his net. And then saying, we won't lose this final at home. On va repartir là avec Emmanuel Amunike. Là derrière la tirée gauche des Super Eagles, ballon qui a été chippé là. Je sais, so far, 5 minutes gone into the game, into this international gala match. Beautiful football produced by the different actors on the field of play. Il ne faudra pas trop regarder l'horloge parce que là le rythme, évidemment, il n'est plus celui d'il y a 20 ans. Comme s'il restait là. Victor Ikpeba pour sa première touche de balle, le milieu des Super Eagles. Il fut par les fûts aussi parmi les joueurs les plus capés à 50 ans aujourd'hui. Il y a comme ça l'opportunité pour la formation des Eagles. Avec Didier. It's an opener for the former Super Eagles of Nigeria here at the Limbé Omnisport Stadium. Goal scored by Julius Akarua. Julius Akarua has opened scores here at the Limbé Omnisport Stadium. Évidemment, deux fois champion de Tunis, de l'Espérance de Tunis, Julius Akarua, lui qui fut finaliste. Il n'a jamais remporté de compétition avec les Super Eagles. Il était absent au cours de ce match de la CAN 2000. Julius Akarua, 32 sélections et 14 buts avec les Super Eagles. Aujourd'hui, il reprend présent après cet appel en profondeur. Il a laissé sur le carreau le gardien camerounais avant de trouver le chemin des buts. Et donc là, c'est Julius Akarua will be remembered for this space and his back flips when he scored goals. He became the first foreign national outside the former Soviet Union who was among the best covers in the Ukrainian Premier League. That was between 2000 and 2001. Et voilà une occasion camerounaise avec Bernard Chutan pour cet événement. Alors Julius Mokake, le sang de la reprise, ça peut être le français, il est à côté. C'était bien français. Il mérite ses applaudissements et lui reste des qualités. The skills are still there for Samuel Etopis. You got to see the touch of the ball after this beautiful serve from Marcus Mukake, the former captain of the Indomitable Lions of Cameroon. Look at that. Marcus Mukake succeeded to break through and serve Samuel Eto. Unfortunately, the intentions were there. The move wasn't quite swift there. Belle construction de jeu camerounaise avec la conclusion manquée de Samuel Eto. Especially after having considered that early goal, it's from Malayans who wants to retaliate. Marcus Mukake has Samuel Etopis. What does he do? He succeeds to beat one player. He turns around and needs help. Finds a lot of shots there. A loose shot that goes above the woodwork, which was quite strange enough to goalkeeper Peter Rufai's many supporters. That was Augustin Simo. One-time player of PWD of Bamenda, Augustin Simo.
part of all the technical team of Cameroon's Indomitable Lions. Aujourd'hui positionné comme milieu de terrain, milieu offensif, Augustine. On l'a vu amener plusieurs actions pour animer la ligne d'attaque camerounaise. Le ballon qui reste camerounais. Still a baseline for these former Lions, Timothy Atuba, Issama. Atuba à nouveau, il est tenté de passer. Il y a un appel côté gauche. C'était une sorte de percussion en intérieur pour le Camerounais. Bon, ça suit Serge Branco. A sweet start today from Godwin Opara. Godwin Opara, le titulaire en 2000. Je crois bien qu'il était avec l'effectif des Super Eagles. Regardez l'incursion de Serge Branco, mêlée olympique avec les Lions en Sydney en 2000. Arrière latéral gauche. Nicolas Amdi. Timothée Atuba. Timothée was part of Cameroon's 2004 AFCON team in Tunisia when they were defeated by Nigeria at the quarterfinals. Gets ready to make use for this free kick. Timothée Atuba comes in there. Fortunate to find with Augustine Simowu's shot goes far, far for both the Nigerian goalpost. It's going to be a goal kick for the former Super Eagles of Nigeria, Augustine Simowu. Ancien pensionné des Brasseries du Cameroun, l'école de football des Brasseries du Cameroun. Il est passé par cette académie-là. Après comme d'autres joueurs camerounais. On s'en souvient. Ça va être une remise en touche pour les Lions indomptables dans ce match exécuté par Bernard Tutan. Avec Nicolas Amdi et puis maintenant Augustine Simon, Samuel Eto'o avec Eno Tarkan, Serge Branco est monté, joli contrôle avec un ballon en incursion, le centre au point de pénalty. Personne sinon la tête de Yakubu Ayegbeni. Samuel Eto'o en 1-2 avec Mokake. Appel d'Augustine Simon de la profondeur, le centre. Et la tête derrière, c'est pas terminé. Mokake qui tente le contrôle. Eto'o. Il cherchait Samuel Eto'o et puis le ballon a été chippé à la dernière seconde. Pour sa terme interception derrière comme sa contre-offensive pour le former Super Eagles of Nigeria. Ayegbeni Yakubu. What does he do? He tries to find one of his teammates, but unfortunately, there was an offside position there as the former Lions retaliate. Very fast, Nicolas Nuji found Augustine Simo at the right flank. This one-time player of Air Glove from Samba, Augustine Simo beats one player. All of very eager to find one of his teammates. Here comes Nicolas Nuji. Avec Eno, ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, who is today into football management. Samuel Eto'o dans la surface des réparations. Samuel qui tente. Il manque de réussite au capitaine des Lions ce soir. Samuel Eto'o fils, whose first Africa Cup of Nations with the National Football Team of Cameroon was in 2000. His first Africa Cup of Nations, he won it with the Lions. His second Africa Cup of Nations in 2002 in Bamako, Mali, he won it with the Lions. Played the final of the Africa Cup of Nations in 2008 when Cameroon lost at the final against Egypt. On en profite pour rappeler que tous ces joueurs seront mobilisés pendant les trois prochains jours à l'occasion de cet événement qu'on ne va pas oublier, le festival de la banane plantain. Une sorte de levier économique entre le Cameroun et le Nigeria. Et évidemment le sport comme vecteur de cohésion sociale. À nouveau une occasion épanouie, la Mouniquet là dans la surface, crochet à deux heureusement. Et un soutien fort pour Raymond Kala. Il y a le retour de Nicolas Anoudi qui permet au Cameroun de se relancer en contre avec Bernard Tutan. Tant qu'on connaît les points de vitesse, la pointe de vitesse de l'époque, il était lié. A while ago, Charlie, we were talking about the celebration of the second edition of the Banana Plantain Festival, which is the raison d'être for this international gala match. And in the National Development Strategy, SND 30, defined by the President of the Republic,
Banana plantain is one of the priority growth sectors, and the government's objective is to achieve 10 million tons of annual production as far as the banana plantain concerns. And so much has been done. Value chains in the sector, as to say, nurserymen, diet producers, processors, and marketers, with the expansion of this import substitution system so that products derived from the banana plantain sector have the same prices as imported products such as wheat, flour, biscuits, baby food, whiskies, red wine, etc. And Limbe, the choice of this international gala match, as well as here comes Ben Achuta. He tries to find someone again. Un peu comme il lui a tendu la main à son arrivée en sélection, Bernard Tutan fait le placement et le public de Limbe qui se réveille autour du capitaine, autour du président. Comment Denis? How beautiful it is, how loving it is, how sweet it is. Look at that beautiful serve from Eno Eyong who found Bernard Tutan and the white flag. Beautiful serve, sir. His former teammate and the president of the Cameroon Football Federation who crucifies goalkeeper Peter Rufai, sending him to the back of his net for an equalizer for Cameroon's Indomitable. The former Indomitable House of Cameroon. Once a lion, always a lion. Et voilà, un lion, demeure un lion, Samuel Eto'o, dont l'accolade et le sourire traduisent tout le bonheur de se retrouver ici à Limbe. 42 ans aujourd'hui, Samuel Eto'o, 56 buts en 118 sélections avec les Lions Indomptables. Il est toujours aussi à droite. Four times Africa Player of the Year. Voilà. The past two teams like Mallorca in Spain, FC Barcelona in York Milan, and Zimakashkala. Il a une rich experience. Antalya Sport, la liste est bien longue pour Samuel. He played the World Cup in 1998, 2002, 2010 and 2014. Four World Cups to his credit. Et aujourd'hui, il continue l'aventure dans ce milieu, lequel il a trouvé la passion très tôt, à son jeune âge. La bataille physique continue, malgré le poids de l'âge. Combien de temps vont-ils tenir, Balvin? 45 minutes, 60, 30, combien? Quelle est la dose d'énergie qu'ils ont encore, ces jeunes anciens joueurs? Samuel Eto'o à l'entrée de la surface, ils jouent 1-2. Il a manqué le ballon, ça c'était sa pigenette à l'époque avec l'FC Barcelone. À cette époque-là, ces gens de touche de balle et puis d'hydratement, tir croisé au fond des filets. C'était ça le schéma. 1 for the former Super Eagles of Nigeria, 1 for the former Indomitable Lions of Cameroon. It is an international gala match here at the Limbe Omnisports Stadium. A remake of the final of the 2000 Africa Cup of Nations. Et là, la touche de JJ Okocha, toujours acclamé. JJ qui jouait avec Yoko Yakubu, Ayek Beni. On va repartir sur le stade dans cette belle ambiance, cette ambiance festive ici à Limbe. Limbe qui est une terre agricole, on oublie de le mentionner. Ici on produit de l'huile de palme, on produit de l'huile de palme, on produit de l'EVA, on produit de la banane plantain aussi à Limbe, on produit beaucoup d'autres choses, on produit du poisson, parce que nous sommes ici avec un versant de ce stade qui donne évidemment sur la côte atlantique. Limbe, cette ville aussi charmante, cette ville accueillante, cette ville productive qui a le privilège d'accueillir cette deuxième édition du Festival de la Banane Plantain. Évidemment, un événement parrainé par le chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya. On va voir l'action vite fait avec un ballon pour Ben Achuta dans la surface. Le deuxième du Cameroun.
Bernard Chutang, who scores goal number two for the former Indomitable Lions of Cameroon. You remember, he was part of the 2000 African winning squad in Nigeria. He was part of the 1998 Africa Cup of Nations of Team Cameroon. He helped qualify Team Cameroon for the 1998 World Cup in France. Bernard Chutang, very, very swift and quite unique with his stylish dribbles. He had the opportunity to serve Samuel Eto'o, but he decided to send Peter Rufai for the second time to the back of his net in this international gala match. We hope to see more of such beautiful goals scored. That is what it takes to have an international gala match of such status. Et déjà les premiers changements dans le camp nigérian avec Joseph Yobo qui va effectuer son prêt. On va mettre quelques énergies et là, la sortie de Manuel Amonike. Ouais. Victor Ikeba. Victor Ikeba, remember him. Joseph Yobo qui va cet moment venir la défense des Super Eagles. Plaisir de le retrouver dans cette soirée. Victor Ikpeba, aujourd'hui âgé de 50 ans, 31 sélections et 7 buts avec les Super Eagles. Il fut meilleur buteur de l'AS Monaco, meilleur buteur de tous les temps de l'AS Monaco, parce que c'est par là qu'il a fait ses classes, au moins 5 saisons avec ce club français, où il a laissé de bons souvenirs. Il a remporté plusieurs titres français, locaux et nationaux et internationaux. Et là, Taribo West aussi qui va céder sa place. Taribo West looking physically very, very tired today. He has turned, he's a pastor. Évidemment. Made at the church back there in Nigeria after his international career. Taribo West being substituted there. Taribo West, you remember Taribo West? With his unique hairstyle. Le temps qui est passé, Valvin, le temps qui est passé, Taribo West. Aujourd'hui, 42 sélections avec les Super Eagles. Aujourd'hui, pasteur, chrétien, évangéliste, pentecôtiste. C'est un monsieur qui ventile la parole de Dieu. Taribo West aujourd'hui, vainqueur des Jeux Olympiques 1996 et finaliste de la CAN 2000 avec les Super Eagles. It's simply history which has been written here in Limbe. We have been saying it, that it is the celebration of the second edition of the International Banana Plantain Festival, as the banana plantain industry has been on the rise for the past 2 years as a result of the post-COVID-19 crisis and the Russo-Ukrainian conflict. And with the technical and financial support of powerful national investors, banana plantain should enable Cameroon not only to guarantee its food self-sufficiency, but also to seize the economic opportunities created by these two global crises. Voilà, plusieurs activités autour de ce festival de la banane plantain. On a parlé de l'élection de la Miss, on a parlé du village des investisseurs ici autour du stade d'Omnisport de Limbé. Donc je crois que ça fait partie des activités. Il y a la rencontre avec les investisseurs nigérians et camerounais. Ça, c'est l'aspect sportif de ce grand festival. Mais je rappelle que le Cameroun est pleinement engagé autour de cet événement parce que la banane, qui est l'un des principaux leviers économiques du Cameroun et du Nigeria, de l'Afrique même, voyez-vous, la banane qui fait partie de l'un des principaux PIB de notre économie. Et ça, on le sait depuis fort longtemps avec le café, le cacao. Donc, raison pour laquelle l'agriculture au cœur de notre développement économique, voilà les raisons pour lesquelles le président de la République en personne accompagne cet événement, représenté ici à Limbé aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Bayrobé. And that's why to achieve the major objectives of the SND 30, the national president for the Banana Plantain Association has introduced the innovative concepts of agribusiness, precision agriculture and the recruitment of new players in the sector. And I should say, they have equally been able to set up a solid ecosystem framed by an international reference incubation center for agribusiness and precision agriculture in Kribi. That's in the south region of Cameroon. We will have a lot to say about this second edition of the Banana Plantain International Festival, as there was a body check there on Julius Agawa by Raymond Kala. It's going to be
A free kick for the former Super Eagles of Nigeria, Julius Ogawa, who scored the opener for the former Super Eagles there. It reminds us of all these body checks in the heydays of a set Cameroon-Nigeria clashes. Il est assez jeune, Julius Ogawa, comparativement à Raymond Kala. Mais quand même, Ogawa, c'est un ancien, 41 ans aujourd'hui. La frappe, le contrôle orienté, là, c'était un peu trop poussé. On a influencé le gardien camerounais, Kalon. Samuel Eto'o avec Bernard Choutan, Raymond Kala, Kalon. Le gardien des Lions indomptable pour cette première période. Tout à l'heure, vous avez vu Rigo Verson qui occupe le banc, le poste d'entraîneur pour cette sélection camerounaise. Serge Branco, ancien joueur du Kaiserslautern en Allemagne, en Bundesliga. Artisan de la médaille olympique camerounaise aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Noyon avec change de côté en direction de Bernard Choutan et à l'appel de Nicolas Noudi. Il choisit évidemment de combiner avec Samuel Eto'o en 1-2. Julius Moukaké en retard sur la combinaison avec Samuel. Aspita Wufai sends twice to the back of his nets. Two times World Cup participants with the Super Eagles of Nigeria in 1994 and 1998. He won the AFCON with the Super Eagles in 1994. And several times he has visited Cameroon as a central referee, Ebot Augustine. C'est la mi-temps. Ici au stade Omnisport de Limbé, décide l'arbitre de la rencontre. 25 minutes, pas plus pour les deux parties. Et c'est un score de parité qui sanctionne cette première période dans un stade où le public est resté très attentif, très servi par les restes de ces légendes. Samuel Eto'o, aujourd'hui capitaine de la sélection des anciens. C'était beau à voir, un moment de réminiscence, un moment de souvenir, de nostalgie même. Ces deux sélections qui ont disputé la finale. On va retrouver évidemment René Katché. René Katché pour les premières réactions. Yes. On les verra tous passer, mon cher René. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much and welcome to the touchline. We obviously are going to be talking with a good number of key players here. I have with me the man with the record as the most expensive elite one player in the country. His name is Marcus Moukaké. Marcus Moukaké, who has played an important role in the 2-1 first half of the 2-1 first half victory of the Indomitable Lions. Good evening, Marcus. Good evening. How are you feeling today? I'm feeling good. I'm with my people, so I'm feeling good. Great. I mean, we saw you still having the reflexes of a striker. What's the secret, Marcus? Yeah, it's because I keep training. I keep, you know, football is my profession. All I know is football. So coming here again to play football in my country, in my hometown, I'm feeling very proud and I'm happy to be among the people today. And you guys are playing against the former Super Eagles of Nigeria, a team you guys met in 2000, a final of the AFCON Cup of Nations. How do you feel playing against this gentleman? Yeah, you know, the 2002 finals, I was watching them because I was still at a junior level. And I saw that final, it inspired me especially. I can see big players like JJ Okocha playing with them today. It's also a big pleasure for me. Thank you very much and wish you the very best of luck. Where is Marcus Moukaké right now? I'm in France, he's still in Sedan. In Sedan, doing what in Sedan? I'm passing my football coach license. Fantastic, thank you very much, Marcus. We're going to try, Baldwin, we're going to try to get in touch with more. Go closer, we need to. Absolutely. We want to go closer to the president, of the Qatar Football Federation. Well, Samuel Eto'o, who scored the first goal for the Indomitable Lions of Cameroon. Very, very busy, so to speak, with his teammates right here. We're just going to try to get through to
and Diefi Fayos. Diefi Fayos is arguably one of the best who got in 2000 in the final. Hello, Diefi. Hello, hello. How are you doing? No, I'm fine, I'm fine. I mean, we are leading by 2-1. Do you still remember those beautiful memories of the past? I'm talking about the 2000 final against the Super Eagles of Nigeria. No, I'm really satisfied for being here today. It's a pleasure that Plantain Bananas have organized this beautiful day for us to come and meet ourselves to play a friendly game against Nigeria. Absolutely. I mean, you are the deputy coach of the Intermediate Lions of Cameroon. When you watch the Super Eagles, the former Super Eagles play today, do you think they still have the verve, they still have the capacity that they had in 2000 when you guys played against them? You actually had a very, very important role in that final in 2000. Yeah, they are still playing. They are playing very well. They scored before us. And we have to do more better than that to win the game. Absolutely. Thank you very much, Jeffy Pius. Thank you. We're going to try to get through to Chutang Bernard. Chutang Bernard, who scored Cameroon's second goal of the night. Chutang Bernard. Bonsoir, Chutang. Vous avez marqué le deuxième but camerounais. C'est mieux face caméra, mon cher René Katché. Absolument. Que le public puisse découvrir. Absolument. Absolument. Je rappelle que c'était un grand soir. Ramener évidemment le mieux possible face caméra. Yes, 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 yes. Cette rencontre. Et yeah. Voilà. Je rappelle qu'il faudra aussi communier avec les joueurs des Super Eagles. Thank you very much. Bonsoir. Chutang Bernard. Bonsoir. Vous avez marqué le deuxième but et puis vous avez fait une passe décisive. Quel est votre sentiment après cette victoire de 2-1 pendant la première mi-temps? Je peux être heureux. Vous savez, on fait un match comme ça, le public est au rendez-vous. On fait plaisir à notre région, à nos frères ici. Et savoir que le Niger joue le jeu, on fait un beau match. C'est le plus important, vous savez, marquer ou pas marquer, c'est pas... Parce que moi, j'aime faire les passes. Donc, j'ai fait la passe au président, je suis content. Et vous avez marqué quand même. Et puis, est-ce que vous vous souvenez du match, la finale, la fameuse finale contre le Niger en demi? Je me rappelle, je n'ai pas joué ce match, j'étais frustré. Donc, on fait plaisir de jouer, de marquer. Donc, 23 ans plus tard, il peut jouer, je marque. Non, franchement, on est content parce qu'on s'amuse bien. Le public est là. Juste que devant la télé, il y a plein de monde. C'est le plus important, vraiment. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. I'm going to try to get through to some players of the Super Eagles of Nigeria. I know they have been led by 2-1. But of course, you have a player like Peter Rufai who has kept his reflexes to himself. You're live on the national television of Cameroon, Peter Rufai. Fantastic. I remember in 1982 when you guys played against Union Sportive of Douala. Here comes former Super Eagles. They are in Limbe after having spent 2 days in the nation's economic capital, Douala. They say they are enjoying their stay in Cameroon. Being in Cameroon is synonymous to being at home for the Super Eagles, or these former Super Eagles. JJ Okocha not quite happy there with the decision by Ebot Augustine. On est bien habitué à ces gestes, ces reprises de JJ Okocha. Depuis 23 ans, souvenez-vous, à Souroléré, il était déjà très remontré contre l'arbitrage. Ah, évidemment, on s'en souvient. Indeed, as Seydou Alioum, one-time holding midfielder, who played a greater chunk of his international career, I should say his professional career in Turkey. Il a passé au moins 10 années, toute sa carrière, il a même été entraîneur en Turquie avant de revenir au Cameroun. Seydou, aujourd'hui à la tête de l'équipe A-prime des Lions Indomptables, qu'il a conduit en Algérie, c'était au mois de janvier dernier. Early this year, unfortunately, the team failed to impress. What a touch of the ball. Beautiful gesture there. Here comes JJ Okocha. Avec une intervention there. Avec Emmanuel Mabouakessa qui fait sa première touche de balle. Un grand moment de souvenir de Revenezi pour tous ceux qui sont présents ici. Chaque touche de balle rappelle une séquence de l'histoire. Voyez-vous, c'est comme être dans une salle de cinéma à ciel ouvert avec ces garçons qui ont marqué l'histoire du foot africain tout simplement. Je crois que même la jeune génération des Super Eagles doit pouvoir s'asseoir et regarder ces anciens. Ils ont fait les beaux jours du football. Ils ont été à la Coupe du Monde, ils ont été aux Jeux Olympiques, ils ont disputé des finales de CAN. Il y a l'occasion à jouer là. Et le retour majestueux, évidemment, de Bill Chateau pour chipper ce ballon. Avec Payens Jeffy.
That's Robert Mbanjama. Ouais. Robert Mbanjama, look at the dans morphology. Jeu, en décrochage, l'ancien joueur du Canon Sportif de Yaoundé. Indeed. Today, il était déjà assez véloce, hein, Robert Mbanjama. In this heydays as a striker for Canon of Yaoundé, here comes an opening, but unfortunately, it wasn't quite sweet. As we continue talking about the raison d'être of this international gala match, which happens to be part of our activities to commemorate the second edition of the International Banana Planting Festival. Here comes Julius Agawa. Finds one of his teammates who tries to break through the central defense of Cameroon. La mauvaise combinaison au détriment de ses supporters. And during this 3 days event for the Banana Plantain International Festival, here in the southwest region of Cameroon, partnership agreements have been signed with the Banana Plantain Association, such as the agreement with the Douala Port Authority, which manages the port of Limbe, which enables the port to fulfill its social responsibility by financing the incubation of young students and local residents in the southwest and littoral regions of Cameroon, as well as facilitating the export of banana, plantain and its derivatives, and importing inputs, fertilizers and agricultural machinery from the Douala Port Authority to reduce the arduous nature of the work. And in this way, the port of Douala and the banana plantain sector are putting themselves at the heart of the fight against youth unemployment in Cameroon, while creating the conditions to ensure that by 2030, fresh banana plantain will be Cameroon's leading export product from the Douala Port Authority. La banane plantain pour booster l'économie camerounaise, c'est de cela dont il est question à travers ce festival de la banane plantain. La banane plantain qui était déjà un grand levier économique pour le Cameroun. Évidemment avec la mise en compte à contribution du port autonome de Douala, avec les communautés urbaines de Limbé, avec les producteurs camerounais et nigérians. La banane plantain sous toutes ses formes, vous savez aujourd'hui il y a des jeunes opérateurs camerounais qui procèdent à la transformation. Et la sortie de Robert Mbanjama, l'ancien attaquant du Canon Sportif de Yaoundé, qui cède sa place à un vétéran, le vétéran camerounais, c'est Nabot, un ancien des années 80, qui lui aussi a porté le maillot des Lions de l'Amtable, bien avant la Coupe du Monde, notre première participation à la Coupe du Monde, et sa première touche de balle. Un vétéran qui fait partie de l'association des anciens, des sportifs de la région du Sud-Ouest. Voyez-vous, il est à la maison. Ils ont aussi contribué, les membres de cette association, à l'organisation de ce grand rendez-vous sportif. Et là, leur touche est là. Jomo Kevin, il en parlait tout à l'heure. Cette génération d'anciens Lions des années 70, des années 80, dont il s'est fait le porte-écho. Mabom. Est un peu moins familier avec la nouvelle génération de supporters, de fans de foot, mais il reste un Lion. On va en suivre à nouveau la possession de balle camerounaise avec Ahmed qui cherchait dans la profondeur Perros Diéfi. Malheureusement, le ballon est pour les Super Eagles avec le gardien entrant Aloy Agou. Une belle ambiance plutôt dans ce stade Limbé, avec le public qui reste concentré, admiratif des jolis gestes et techniques. Un peu comme ce ballon en percussion à l'intérieur sur Julius Agawa. Faute sur l'attaquant nigérian pour un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Julius Agawa, l'une des figures emblématiques du football nigérian. On en parlait tout à l'heure, l'ancien joueur et superstar du Shakhtar Donetsk dans le championnat ukrainien. Et voyez-vous qui va tirer, Balbine.
JJ Okocha. Very, very hungry to score here in Cameroon. Very eager to score at Stadium Omnisports Stadium. JJ Okocha, c'est 84 matchs et 12 buts avec le Paris Saint-Germain. JJ Okocha, remember his heydays with Paris Saint-Germain. Remember his heydays with the Super Eagles of Nigeria. Comes in here. What a timely intervention there by Seydou Aliou. Seydou Aliou, one-time holding midfielder of the Indomitable Lions of Cameroon. Head coach of the Intermediate Lions of Cameroon today, Seydou Aliou, who had a greater chunk of his international career played in Turkey. Look at the ease with which JJ Okocha had that free kick. As you can see, it's there. On était presque certain du but. Ballon joliment placé par Didier Okocha. As Awon Gimbat gets ready to walk out of the field of play. Awon Gimbat was part of the Olympic team in Sydney in 2000 when they won gold, when they won gold for Cameroon at the Olympic Games. Has gained a lot of weight. Has gained a lot of weight. Awon Gimbat. Deep Kambe, who was part of Cameroon's winning AFCON story in Gabon in 2017. The son of the soil, I should say, Deep Kambe. Limbe is his town. Il est très aimé à Limbe. C'est un garçon généreux, gentil, convivial. Ses qualités sociales, on lui connaît. One of those rare footballers that many football opponents are yet to understand his role as an attacker on the field of play. But he was very, very instrumental for Hugo Bros in 2017 when he was retained amongst the Lions to defend the nation's colors during that AFCON Cup of Nations in Deep Kambe. I was a body check there by Joseph Desiree Job. Dabala Wall. As we continue talking about these series of agreement signs between the Banana Plantain Association and the different stakeholders, especially the farmer. Oh, Bill Chateau qui fait son grand festival. Malgré le poids de l'âge, il est resté un arrière latéral de qualité, ce qu'on demande à la nouvelle génération. Bill Chateau. Oh, JJ. JJ Okocha. Chaque touche de balle de l'attaquant, c'est un spectacle. Et là, il y a la parade du gardien camerounais qui se détend pour faire la différence. Qu'est-ce que c'est beau et magnifique. Canon qui permet au Cameroun de maintenir l'avance au score malgré cette belle combinaison et la passe en profondeur de Didier Okocha. They know they must equalize here. They understand how strategic it is for them to return back to Nigeria with at least a victory as far as this international gala match is concerned. Et là en image, c'est de Abanda. As JJ Okocha gets ready for this corner kick for the former Super Eagles of Nigeria, Patrice Abanda, Shadi was talking about a while ago, who was a central defender for Cameroon during the Olympic Games in Sydney in 2000. Évidemment, l'ancien joueur du Sparta de Prague également, Patrice Abanda, et l'ancien joueur du Tonnerre Kalra Club de Yaoundé. Il a fait ses beaux jours en Grèce avec l'Apollo Kelamarias. Tijani Babangida. Ouh, Tijani Babangida. Quel grand nom. Ça résonne comme toute l'histoire du football sénégalais, du football nigérian. Alors là, lorsqu'on parle des grandes nations, c'est cela. Le Nigeria fut pendant les deux, trois dernières décennies, et aujourd'hui c'est notre tour du Sénégal d'exister. Mais ce soir, c'est bien le Nigeria qui nous préoccupe avec ce ballon en contre. Il va dans la surface, il va tenter la combinaison à deux. Ils n'ont pas compris le jeu. Avec la première touche de balle, Agawa et la remontée de Mabom, cet ancien qui revêt le public de Limbé. Ndip Kambe tries to break through there. A beautiful combination for the former Lions of Cameroon. Joseph Desiree Job, who finds Ndip Kambe. Unleashes the shot there. Goal number three
for the former Indomitable Lions of Cameroon at the Lindom Nispo Stadium. Goal scored by Ndip Tembe. Yeah, in his hometown, Limbe, chief town of Akko Division of the Southwest region of Cameroon. Ndip Tembe, who got into the field of play a while ago, who wrote his name in gold as far as a Cameroon football success story in Gabon in 2017 is concerned. He has played for several clubs in China, such as Jihan Xingzhu in China. Very fresh look at that. Regardez la passe de José Désiré Job. Un attaquant qui sait placer le ballon pour son coéquipier, pour un autre attaquant. Et le Cameroun qui met désormais 3 buts à 1. Mettez-les-vous tranquille, ce qui compte ce soir, c'est pas le nombre de buts. Je sais qu'il est en colère, DJ, mais attention. Face à Bill Chateau, il en faut plus pour lui arracher un petit sourire. Il a tenté cette roulette dont il a seul le génie. Souvenez-vous, pendant ces beaux jours, DJ, il était difficile de lui résister lorsqu'il faisait cette roulette-là. Aujourd'hui, il manque un peu de rythme à ce même geste. After he was body checked there by Bill Chateau. Beautiful international gala match you're watching live on CRTV Sports and Entertainment here at the Limbomni Sports Stadium as part of activities to commemorate the second edition of the Banana Plantain International Festival here in the Southwest region. A series of agreements being signed, especially between the Banana Plantain Association and Zifama, which happens to be a company at the international marketing of processed plantain bananas in this part of the country. And that's why they have been collaborating and been very, very instrumental in making this sector quite successful here in this part of the country. Didier Kocha, il est passé, attention. La faute plutôt camerounaise, indique l'arbitre. Faute sur Bill Chateau. Et le retour du Vélir Tirant, madame. Oh, passe en profondeur avec tir extérieur. Dip També assure. Payos Njefi pour le dernier geste. Malheureusement, la tentative de l'ordre n'était pas une réussite pour l'ancien attaquant des Lions Indomptables. Payos Njefi. We have a few minutes left before the end of this international friendly match. 3 minutes exactement avant la fin du temps réglementaire. Et c'est un grand moment de bonheur entre ces deux nations. C'est passé. Est-ce que l'arbitre l'a joué? Évidemment, c'est une occasion nigérienne de réduire le score. Et il tente le contrôle. La frappe derrière, et pourra-t-il finalement trouver le cadre? C'est pas terminé. It's not over. Adam is out there. I should say the population of Limbe, they have turned out massively this evening to watch this match live at the Limbe Omni Sports Stadium. Limbe, this is a resort town. Look at that beautiful move there by Tijani Babangida. Napoli! And this one has an opportunity. La réussite n'est pas nigériane ce soir. La réussite n'est pas nigériane ce soir et voilà, ça laisse des séquelles. Indeed. Le gardien Calon va être obligé de laisser décéder sa place. Voilà, on voit l'action. And beautiful action there for the former Super Eagles of Nigeria. Stops there. To the innovation of I won't stop talking about this peaceful and football-loving population of Limbe here in the southwest region of Cameroon. Oh, Babangida, quelle belle image. C'est tellement beau à voir ça. C'est tellement beau.
ceux qui ont vécu, évidemment, il n'y comprend pas grand-chose, mais je crois qu'il est tout heureux, le bonhomme. Indeed, he wasn't born when most of these players were playing. He wasn't born, he never knew them. But he's quite happy to be part of history this evening. C'est une dose d'émotion extrême pour les passionnés de foot. Most of these football lovers have left different neighborhoods in Limbe. They have left Sokolo, they have left Botia, they have left Half Mile, they have left Giave, they have left Down Beach, they have left Mile 1, Mile 2, and Bona Dikombo Mile 4 here in the southwest region of Cameroon. And they are left Ngeme, where we are tonight. Ngeme, c'est le quartier qui abrite le stade Omnisport de Limbe, une zone qui s'est développée, qui s'est progressivement urbanisée depuis l'installation de cette infrastructure moderne ici. Limbe qui est une belle ville à découvrir. A beautiful town with this beautiful stadium. Constructed in 2012 and inaugurated on the 12th of January 2016. The Limbe Omnisport Stadium has played host to great, great events. The Women's Africa Cup of Nations in 2016, the African Nations Championship, the SHAN in 2021, and the African Nations Cup of, Africa Cup of Nations in 2022. Limbe, there is every reason for the population of this town to be quite proud of the town's successes in terms of great organizations of great football competitions. On va suivre donc le corner nigérian après les soins administrés au gardien Kalon du Cameroun. C'est un corner. On vit les derniers instants de la rencontre. Et là, c'est l'un des vétérans camerounais de la soirée. Attention, c'est dans les gants du Kalon, qui ne tient plus totalement sur ses jambes. 50 minutes, c'est bien lourd pour lui aujourd'hui. Emmanuel Mabouan-Kessak, qui fut un temps le plus jeune de sa génération. C'était à la Coupe du Monde 1990 avec les Lions Indomptables. Mabouan avec Alioune Saïdou. Avec évidemment Dick Tambay, l'un des plus jeunes. Saïdou va-t-il passer? Évidemment, il est contré. Saïdou contré par Ederson. L'arbitre qui indique et sur le banc sénégalais, le banc nigérian. On regarde ses beaux visages. C'est quand même émouvant de revoir Peter Rufai à son âge. Faire des parades, jouer au foot, c'est magique, c'est extraordinaire. An inspiration to the younger generation, especially those today defending the nation's colors. As to how to keep fit and to be very, very useful and flexible at all age. Bill Chateau. Alioune Saïdou avec Mabom qui bouge partout. Et lui aussi, il va être âgé de plus de 60 ans, ce Mabom. Mais voyez-vous, ses qualités athlétiques, sa résistance physique, et voilà, c'est tout cela certainement grâce à une alimentation maîtrisée, grâce à la banane plantain, cet aliment cher à tous les peuples de l'Afrique subsaharienne, dont les Camerounais, les Nigériens aussi, ils en consomment régulièrement. Cela fait partie des mets, et c'est sur cette note de célébration que l'arbitre met fin à cette grande soirée. Quel moment d'acclamation. Certainement, il a voyagé à travers sa mémoire. Accolade entre Bill Chateau et JJ Okocha. Un grand soir de bonheur, de tout sourire avec le corps arbitral. C'est un moment particulier. Déjà sur la ligne, la main courante, René Katchier pour la première réaction. On y va vite et on a beaucoup à prendre ce soir. Yeah, thank you very much, Charlie. Thank you very much to you, Baldwin. Welcome to the touchline here. I'm with a winner of the 2000 Olympic gold medal. I'm talking about Nicolas Anouji.